Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, vous levez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Farming Simulator 2022 et nous sommes devant nos champs et regardez, on a notre ouvrier qui fait n'importe quoi, ça fait deux fois en off avant que je commence l'épisode que je mets un ouvrier pour qu'il mette donc le désherbant et en fait il me dit « j'ai terminé ». Regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est terminé? Et en plus, il manque là-bas. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça... Mais... Juste avant de regarder ton épisode préféré, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne. Et laisse aussi un pouce bleu si tu as adoré, et le must. Bah commente! Je t'invite à me rejoindre sur Twitter pour encore plus de folie, et bien entendu ma chaîne Twitch, avec deux rendez-vous officiels par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir. Bon après, ça m'arrive aussi d'en faire d'autres, mais ils sont pas annoncés. Voilà. Bon, tu trouveras tous les liens en description de vidéo. Bonne vidéo à toi! On va commencer comme ça, donc j'ai vu tous vos commentaires en vidéo, les enfants, je les ai vus. Vous êtes formidable, vous êtes magnifique, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'essaye aussi de voir si j'arrive à trouver avant d'utiliser votre technique, hein, bien entendu. Bon, pour les trucs que j'arrive pas à trouver, bien entendu, que je vais prendre vos astuces, mais j'essaye un petit peu de me débrouiller, voilà. J'espère en tout cas que cette série vous fait plaisir. Mon trackmout est complètement dégueulasse. J'ai amélioré la qualité des vidéos aussi. Maintenant, nous sommes passés en 1440p. Alors, pas parce que j'ai un écran 1440p, et c'est là où vous allez trouver le truc bizarre. Je suis en 1080p, mais mon enregistreur peut upscaler et enregistrer en 1440p, tout simplement parce que... Et bah YouTube, même si mes vidéos sont super bien en 1080p, il me les compresse tellement avec le AV1, donc le codec des petits YouTubeurs, que ça m'a gonflé. Donc je passe par le codec des gros YouTubeurs. Hein. Les gros YouTubeurs sont sur le VP9 ou le VP8, je sais plus. Bref, j'ai tout changé. J'espère quand même que vous voyez le résultat. Je suis très content parce qu'avec l'ancien résultat, bah, tout ça là, quand vous avez plein d'herbes et tout, ça pixelisait à mort. C'était dégueulasse. Et pourtant, j'étais avec un bitrate de malade. Hein. Sur mes vidéos de base, c'était nickel. Mais en vidéo, ça donnait pas du tout. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère aussi que vous aimez les nouveaux formats. On s'amuse, on est beau, on a plein de trucs de prévu. C'est top. Voilà, c'est magnifique. Et normalement, la semaine prochaine, des petites dingueries qui arrivent. Parce que là, je tourne le week-end pour lundi. Mais c'est pas grave. Allez, Zou, je vais essayer de ranger ça ici. Je sais que vous m'avez dit, mais ça sert à rien d'avoir deux pulvérisateurs. Si, parce que moi, je préfère le gérer comme ça. Vous voyez, d'être un peu en mode... voilà, je suis très maniaque. Et je trouve que au moins, il n'y aura pas de résidus de pesticides sur les miens. Alors attendez, décharger, on a dit que c'était I, non? Ah non, il faut peut-être baisser, voilà, et là, voilà, merci. Ça c'est fait. Donc de l'autre côté, si je vais ici, de l'herbicide, de l'engrais liquide, ah mais on avait mis les deux, en fait on a fait les deux, bon mais c'est nickel, ça va pousser ça, c'est top. Donc, je vais voir un truc. Alors, nous sommes en mode aérien, comme dans Starfield. Je vais améliorer deux, trois petits trucs. J'aurais besoin, là, d'un bâtiment. On a quoi? On a des abris qui nous permettraient, en gros... Purée, mais le prix des abris, c'est comment, ça? C'est petit, hein? Ouais, ça fait 80 000 les deux. Mais on a ça aussi. On en a des... Oh là là, lui, il est énorme. Il est énorme et il coûte rien, mais il est trop gros. Celui-là serait peut-être mieux. On va mettre un petit abri comme ça.
Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va se trouver au niveau des outils. On a quoi? Recharge électrique, on s'en fiche. Station de biométhane, station de pesage. Tiens, ça sert à quoi les stations de pesage? C'est tu peux pas te faire arrêter dans le jeu. Il n'y a pas de flic. Je vois pas trop. À moins de faire du RP, mais... je vois pas trop le... Ah, un karcher, ça, on va le prendre. Je vois pas trop l'utility. Désolé, hein, mais je vois pas trop. Mais conteneur, on va prendre le carburant. On a quoi, là? Grand carburant, grand. Engrais liquide. Réservoir d'eau. Eh ben, on va déjà prendre ça. Je sais qu'il va falloir le remplir, hein, bien entendu. Mais c'est que on a tellement besoin d'essence. Et je vois que c'est en train de descendre. Qu'il va... falloir s'en occuper. Donc ça, on a fait un abri. Un abri à garage pour stocker et réparer vos véhicules. Par contre, j'ai pas d'outils de réparation. C'est ça, c'est atelier. Vous pouvez réparer... et ben voilà. Et ça, c'est combien? 40... Et hop, comme ça, c'est fait. On a l'outil de garage, on a tout. Je sais pas où je pourrais le mettre, par contre. Parce que là, on a la route. Ça va nous embêter un petit peu. Je pourrais le mettre devant. Le mettre ici. Ouais, c'est devant ma terrasse, quoi. Oh là là. Ou alors, je le mets là. Ça peut être bien, là aussi. On améliore notre ferme comme on peut, hein. Je sais qu'il y en a, ils doivent gueuler. Ah, oh, c'est moche et tout, mais non. Voilà. Et zou! C'est assez fait. Notre petit tracteur. Alors, je sais que là, pour le moment... on a fait à peu près tout ce qu'il fallait. Il faudrait juste de la chaux, peut-être. Attendez. Mon herbicide. Est-ce que je peux décharger? Voilà, mon herbicide est en train de se décharger. Donc ça, c'est parfait. Je vais prendre mon tracteur. On va aller chercher de la chaux. La chaux, normalement, ça se pulvérise comme ça ou... ça se pulvérise comment, la chaux? Ce qui est dommage, par contre, c'est que vous voyez le P. J'espère que ça aura pas fait bugger la vidéo. Engrais liquide. Engrais, peuplier, semence. D'accord. En fait, c'est pas ça pour la chaux. Voilà. Je vous ai entendu. C'est pas ça qu'il nous faut. On va remettre ça. Il va falloir qu'on range un petit peu notre base, hein. Enfin, notre ferme, excusez-moi. C'est ça, là-bas, qu'il nous faut. On va prendre ceci. On va ranger tout notre matériel. On va se faire un truc plutôt pas mal. J'ai enlevé la destruction des récoltes, hein, aussi. Hein, quand on est devant, parce que... hein, eh ben, a-t-elle ? Voilà. Je l'ai enlevé parce que c'est juste n'importe quoi et ça va vite, vite m'énerver. Donc, putain, dans l'état où est le trackmout. Oh, si je fais ça et que je fais décharger, tout est déchargé, c'est parfait. On va remettre la bâche et on va aller chercher de la chaux et directement, les enfants, mettre la chaux sur terrain qu'on est en train de... qu'on utilise, hein, qu'on est en train de... Enfin, je crois qu'on a planté du colza, donc on est en train de le planter, donc autant mettre de la chaux. Comme ça, après, on aura un rendement optimal. Et en plus, on a mis de l'herbicide, on a passé le truc qui enlève les mauvaises herbes. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Mettez-le moi en commentaire de vidéo, si vous avez... enfin, si vous pensez que c'est plutôt pas mal, ce que je fais. Je vous écoute, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste que, bah... j'essaye aussi un petit peu de voir des trucs par moi-même, parce qu'autrement ça serait trop facile. Ça serait même pas drôle. Mais je vous écoute et quand je me réfère à vos conseils quand je suis bloqué. De l'herbicide, des semences et de l'engrais. D'accord, on les a ici. Alors, là, il va me falloir un big bag. Ah non, c'est pas un big bag. On m'a dit que c'était les big bags le mieux. Semences chaud. J'en ai combien? 2000 litres, juste un. Acheter.
Ok. Il est ici. On va voir comment ça se passe. Dans l'état où est le tracteur. Après, en même temps, vous m'avez dit, hein, t'as un tracteur qui fait tout, l'autre, il sert pour le transport et tout. Lui, il fait tout, quoi. Un truc de dingue. Plier, il faut que je fasse quoi? Faut que je l'ouvre. Semence, attendez. Ah, il fait pas la... Ah! Il le fait pas. J'ai cru qu'il le faisait. Alors, c'est une erreur de ma part, en fait, ça. On n'a pas un truc qui fait... la chaux. C'est peut-être pas ça. J'essaie de voir. Machine à bêcher, main, disqueuse, sculpture, broyeur. Ah, c'est pas un épandeur à fumier. L'épandeur à fumier, non, c'est du fumier, c'est pas de la chaux. Épandeur à engrais. D'ailleurs, attendez. Ça a quel... Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. La chaux, elle ressemble à quoi? La chaux, c'est ça. Donc en fait, c'est bien... Oh là là là. Je suis désolé, je perds du temps pour rien. Il y en a qui gueulent là, il dit mais non, ça épand pas la chaux que t'as. Il n'y a pas de souci, on va essayer de se débrouiller. Et ben voilà, regardez. J'ai pris un truc immense. Je crois que j'aurais pas dû prendre aussi gros. Mais c'est pas grave, comme ça on l'a, hein. Et puis là on va mettre ce qu'il faut dedans. Voilà, parfait. Remplir. Il y a normalement 2000, hein. 2000 litres, hein. Ça en fait 3000. J'ai 2000 litres, ouais. Bah ils disent que ça fait 3000. 2000, ça pourrait aller ou pas? Ah, oh, je vais en racheter. Je vais en racheter comme ça. On va même prendre un big bag. Un big bag de chaux. C'est combien? Acheter. Comme ça, on l'a. Il nous servira dans tous les cas, cet épandeur. Il nous servira à remplir. Voilà. On en a un peu plus. Et pas beaucoup, hein. Pas tant que ça. Allez, zou! Cette remorque par rapport au... Oh, punaise! Ça, c'est la remorque, les hommes femmes. Là, il y aurait Thierry, il dirait... Eh bé! Punaise! J'ai déjà vu ça, hein, quand j'étais jeune. Oh là là, dis donc. J'ai niqué dedans. Oh la dodoche. Allez, on est parti. Quand même, il est énorme. Je pensais pas que la remorque allait être aussi grande que ça. Franchement. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, hein, je vous le dis. Hein. Je pensais que ça allait être une toute petite remorque, et non, en fait. Peut-être que ça se fait avec un plus gros tracteur, hein, parce que là, on verra ça. Ça se trouve, c'est la remorque qui va me propulser, tellement elle est puissante comparée à mon tracteur. Mais je découvre le jeu aussi. Hein. Donc, putain, mais c'est immense. Je vais prendre mon petit trackmout après. Donc là, on va faire ça. Et ben pourquoi? Pourquoi il veut pas? Ben engage-le. Ah! Oh punaise, il y a de l'orage les enfants. On va tous mourir, ça va être la fin. Alors attendez, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça bug. Construction. Vendre. C'est pas grave, on le vend. Ok. On va le reprendre. On perd de l'argent. Je sais. On perd de l'argent.
Mais c'est juste que là, ça va bugger pour mes records. Je vais le mettre au milieu. Vous avez raison, je vous ai entendu. Je vous ai entendu dire que ça va tout faire bugger, Pixel. Ne le fais pas. Tout ce que tu fais, c'est des conneries. J'aimerais bien créer une cour. Parce que là, ça ressemble à rien, quoi. J'ai envie de créer une cour. Une Ingrid. Une Ingrid Bettencourt. Voilà. Vous pouvez pleurer si vous avez envie. Ok, donc ça, il faut que je le mette là. C'est ça. Hein. Si je le cale ici... En fait, non, il faudrait que je le cale. Je le cale et l'eau. Cale et l'eau. Je vais caler comme ça. Parfait. Voilà. Et là, si je fais... Boum ! J'ai dépensé 20 000. Alors, tu vas peut-être te grouiller le cul. Voilà. Ce serait bien de... Voilà, parfait. Allez, vas-y, et pas en même temps. Oh putain, je vais crever. Oh, la vache. Il est chaud. Oh, le dingue. Allez, zou. Donc ça, je le prends. Je vais aller ramener mon matos qui est là-bas. Donc là, vous pouvez voir que je fais au max. Au max, au max, au max, ce que vous m'avez dit. Les petits conseils, tout ça, tout ça. Alors certes, j'ai dépensé pas mal d'argent, mais je pense que quand on aura le matos, après... On va gagner pas mal de thunes, ça va aller. Il n'y a aucun souci à se faire. On va y arriver. Zéro souci, les enfants. Zéro souci. Je n'ai pas peur. Alors, il faut que je monte. On va récupérer le matos qu'on a laissé. Il va falloir le laver. On va laisser finir la journée à notre ouvrier, comme ça, quand il aura terminé. Je pense qu'on va devoir faire le tour quand même et vérifier qu'il fasse pas de conneries. Hein. Mais comme ça, ça on le ramène, on va le nettoyer. Oula, le drift. Punaise. Comme ça, on va les réparer, on va leur remettre de l'essence. Allez, viens là. Parce que dans l'état où il est... Et d'ailleurs, ça a un impact si on les nettoie pas. Ça, je me demande. J'ai un peu peur, quoi. Parce que moi, je m'en fous hein, qu'il soit crade. Hein. Alors là. Après, est-ce qu'il se détériore plus vite? Je sais pas. Dans tous les cas, il va falloir qu'on range tout le matos. Tout ce qu'on a. Qu'on prenne l'habitude de tout ranger. Parce que là, ça ressemble à rien du tout. Notre ferme, elle ressemble à rien. Et j'aime pas ça. Franchement, c'est un truc que dans tous les jeux, que ce soit les jeux de gestion, les machins, quand j'ai le temps, hein, je parle pas des jeux de gestion où tu, comme Dan of War, où tu dois te fighter direct, mais des jeux de, comme ça, de gestion, pareil, hein, sur Starfield, je crée ma base, elle est, mais je mets 6000 ans à la faire. 6000 ans, les enfants. On va ranger tout ça. Alors moi, je serais d'avis de ranger tout ça ici. Alors. Ça, on va le mettre là déjà, parce que je vais le nettoyer. Je sais pas s'il faut mettre juste à côté ou pas, mais... C'est bon, hein, s'il a un câble de 1 mètre, je me suicide. Oh là, je l'ai récupéré en pleine chute. Hein. Oh là 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 là. Ça, c'est bon. L'autre, il est en train d'épandre. C'est top, là-bas. Et après, on a l'autre à... Quand il aura poussé, là-bas, à prendre et à vendre. Et là, je pense qu'on va se faire un peu de thunes. Bon, ça, j'ai pas besoin de trop le nettoyer pour le moment. Je vais mettre ça ici. Et ben, ah, il y a une latence. Hein. J'appuie sur A, à chaque fois, je me fais avoir. Il y a une latence. C'est que regardez le bazar que c'est, quoi. C'est le bazar du grenier, quoi. Punaise. Ça va. Ça va, ça va. Elle était permise, celle-là. Mais... Merci, quoi. J'ai fait le bon choix au niveau des outils, ou pas? Je suis bien? Dites-le-moi, hein. Mais... Mais...
Mais pourquoi il veut... Et sérieusement, c'est où pour changer l'outil? C'est ça? Voilà, merci. Heureusement que je me suis souvenu de la touche, hein, parce qu'autrement ça aurait été un désastre irrémédiable. La remorque, je peux la laisser là, celle-là. Ça, pour le moment, ça bouge pas. La remorque bouge pas, mais mes outils, au moins, ils sont nickel. Je vais remplir ma citerne. Ça, je vais le mettre ici. C'est pas lui le plus crade, hein. C'est pas bien grave s'il a un peu de poussière. Hein. C'est pas grave, ça. Ma citerne, normalement, il faut que je la remplisse. Remplir le silo, et ça coûte un bras, je parie. Oui, pour 6000. Voilà, comment perdre de l'argent facilement. Alors, ça, on va le nettoyer. Comment ça fonctionne? Activer. Oh ouais, on le fait nous-mêmes, quoi. Ah ouais, d'accord, faut juste nettoyer. Ah ouais, le passer dessus, faire ça, et puis... Hein. D'accord. Oh, il y a quand même une petite gestion. Quand même une petite gestion, je suis très content. On va passer là au milieu, là, comme ça, dans les ailettes. Là, très bien. Très content de moi. C'est trop bien, hein. Et il se... j'avais une question. J'avais une question. Purée, est-ce qu'il tombe? J'avais une question. Ça, plus ils ont de nombre d'heures d'utiliser, comme les tracteurs, est-ce que on voit que la peinture s'écaille, même si on les nettoie et tout? Est-ce que ça, ça y est? Ou alors, il faut un mode pour ça, avec au fur et à mesure, on voit que le matériel, bah, il vieillit. Parce que si, à chaque fois, je nettoie, et dans 3000 heures, il est pareil, putain, je suis balèze, hein. Balèze de fou, hein. Il en est où? Je crois que c'est tout bon. C'est tout bon? C'est tout bon. Replier. Comment on fait? Putain, je me fais grailler par des moustiques. C'est dingue. Allez, on roule chez le voisin. C'est pas bien grave. On va aller nettoyer le trackmout là parce que... Et vous inquiétez pas, je passe dans mes champs. J'ai enlevé la destruction de culture. Pour être bien, pour ma première... Oh non, il a pas fini. C'est pas possible. Pourquoi il a pas fini comme ça là? Attendez, il faut que j'active. Voilà, je vais activer mon... Mais il a rien foutu le gars là. Bon, c'est pas grave, au moins je vois comment ça fonctionne. Bon, c'est pas grave si je mets de la chaux sur mon champ là. Enfin, qui est en train de pousser. Bon, c'est pas bien grave. Il est quand même gros, hein, celui-là. Ah ouais, ça part super vite la chaux. Oh la vache. Et ça marche vraiment comme ça ou... pour ceux qui le voient en vrai, ils ont des... Enfin, il y a des trucs plus rustiques. Parce que là, quand même... Enfin, je trouve quand même qu'on a tout d'automatisé. Hein. On est des dingues. Hein. Parfait. Voilà. Très bien, ça. Bonne mère. Oh, punaise. Ça, c'est bien, ça. Je suis très fier de moi. En fait... Là où dites, ouais, machin. Sérieusement, je suis très fier de moi. À chaque fois que je joue un jeu, je suis à fond dedans. Donc. Et puis farming, farming est... Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me lasse pas, en fait. Contrairement à SnowRunner, je me souviens au tout début, même si je prenais mon pied, j'adorais, il me saoulait au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Et j'en avais marre parce que c'est toujours la même chose. Et là, même si c'est la même chose, il y a une satisfaction de coloriage, en fait, dans les... C'est vrai, hein, c'est bizarre à dire ça, mais j'ai l'impression de colorier. C'est con, hein. J'ai géré. Regardez comment je l'ai mis. Je l'ai géré. Putain, on dirait un magasin de... Putain, trop bien. Allez. Mon trackmout. On va le nettoyer parce que regardez dans l'état où il est. Hein. Commence à faire la gueule.
Activé, c'est parti. C'est mon trackmout. Ah! Ta la 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 la. On nettoie en dessous. Je sais, là, il y en a beaucoup qui me disent « C'est bon, il est nettoyé, tu peux juste rester comme ça, ça nettoie tout ton camion, ton tracteur. » Oui, mais RP, les enfants. RP. Là, dans le carburateur, un peu de... Voilà, un petit coup de Karcher, ça fait toujours du bien. Oh là 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 là. Trop bien, quoi. Trop, trop bien. J'ai rien oublié, les phares, les machins. Derrière, il y avait plein de terre. Là, normalement, faudrait pas le faire. Hein. Je sais, il y a plein d'électronique, mais on est dans un jeu. Voilà. Et là, vous me dites, mais alors pourquoi tu dis que tu veux faire du RP? Parce que c'est quand ça m'arrange. Le favorite, 515 chevaux. J'adore tout ça. Là, regardez, tous les boulons, les machins, les petits trucs, les petits détails. Ah là 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 là. Allez, je vais le ranger. Ah non, il faut que je le répare aussi. On va aller le réparer. Voilà, on va aller voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Atelier, réparation... Ah, c'est comme ça? Oh. Je suis déçu. Je m'attendais à ce qu'on le répare en fait. Mais je sais pas, on le nettoie donc on le répare. Je sais pas, une animation, un petit truc. L'ouverture du capot, c'est tout. Voilà, je vais aller chercher ma bestiole là. C'est la même chanson. Depuis que ma moissonneuse est partie, je n'ai plus envie. Oh là 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 là. Oh oui, c'est la même chanson. Paf! Faudrait que je range ça au milieu là, j'ai oublié de le ranger. Oh là 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 là. Bon, je suis un peu décalé, mais... Décalé, coupé! Oh mon dieu. Attendez. Ça, on le reprend. J'essaye de faire un truc bien. Voilà, je sais. Ah, du gameplay et tout. Mais c'est du gameplay avec moi, voilà. Si ça vous va pas, vous allez voir Dr. Horse se faire tuer en boucle sur Ark et m'embêtez pas. Zut. Ou alors, vous ouvrez une chaîne YouTube et vous faites vos propres vidéos et comme ça, vous serez pas frustré de voir quelqu'un jouer. Hop. Oh là là, regardez-moi ça. On commence à avoir du matériel. Hein. Je suis un gamin. Ça, c'est topissime. Par contre, il y a notre voiture qui est de l'autre côté de la map qu'il va falloir qu'on ramène. Hein. Et voilà, regardez, elle est là. Je vais la ramener. On avait vendu nos œufs ici, rappelez-vous. Oh punaise, Fast and Furious, rapide et furieux. Pousse-toi. Ah oui, mais pousse-toi, mais attends. Pousse-toi, mais attends. Ah ah. M'en douter. Je lui ai passé devant, j'ai regardé le GPS et j'ai réaccéléré. C'est quoi tous ces bâtiments là? Fromage de lune. Oh. On va pouvoir amener nos trucs d'animaux là-dedans. Oh. C'est une laiterie. Oh. Attention! Oh là là, le talent. J'ai rien eu. Oh là 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 là. Une maîtrise de bout en bout. Et là, je vais pouvoir ramener mon matos. Yes!
Yesai, comme dirait Jean-François Copé. Oh mon dieu! Oh là là, j'ai envie de chialer, j'ai envie de chialer. Il faut qu'on passe la nuit. Faut qu'on passe la nuit. J'espère qu'elles ont pondu. Parce que j'ai envie de gagner des thunes. Alors oui, j'ai dit que... J'ai dit que j'avais passé à... Passer deux jours pour passer le mois, en fait. Maintenant, j'ai mis deux jours. Parce que je trouvais qu'un jour, un mois, deux mois, ça va. Je voulais mettre 30 jours, mais après, c'est un peu long. On est encore en octobre, non? On est en septembre. Ah, on est en octobre. Et par contre, à partir d'octobre, là, le prochain jour, on sera encore en octobre. Et vice-versa. Ah. Attendez, déjà. Déjà, je vais me mettre là. On peut enlever le HUD. Le mec, il fait ça en plein milieu. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Alors, on en est où? Oh, punaise. J'avais pas vu. Ah non, il y a de la mauvaise herbe. Non? Ah non. Mais pourquoi? J'ai fait en... J'ai tout mis. Bon, on a un bonus de rendement de 57%. 55. Pourquoi ça descend? Et ça va, la chaud, on va pas le mettre tout le temps. Il est mauvais, c'est pas... mauvaise herbe, sarcleuse. Eh bien, écoutez, on va faire un truc. C'est que je vais demander ça. Je sais, hein, y en a qui disent « Mais arrête de tout faire payer à tes employés. » Oui, mais c'est pour que ce soit dynamique, la vidéo. Autrement, je sais que vous avez l'habitude de jouer et tout, mais vous êtes pas tout seul, les enfants. Vous êtes pas tout seul. Normalement, avec ça, l'ouvrier va pouvoir bien gérer tout ce qu'il faut. Allez, vas-y. Il va enlever les mauvaises herbes. Tout est bien. Par contre, c'est beau. J'aimerais bien voir où ça en est ici. Ça, ça pourrait être pas mal pour qu'on s'en occupe. Soja pris pour la récolte. Oh, trop bien. Et l'autre, il s'occupe de ça. C'est tôt. Sim. Magnifique, ma chérie. Allez. Ah merde, c'est trop. Eh ben. Ah. D'accord, c'est que ça avait... Faut vraiment être collé avec, quoi. Faut mettre des grosses tatanes au machin. Oh là là, le colza. Ça, ça va être bien. On va commencer un petit peu. Et après, je laisserai faire... Mon... Oh putain, oh, top, 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 top. Mon ouvriex. Je suis en train de moissonner le béton, là. C'est une nouvelle forme de récolte. Allez. Très bien. Oh là là, regardez. Ça, ça... Ah, ça me fait toujours quelque chose, ça. Bon, après, c'est une toute petite. On n'a pas une énorme fourche de coupe. Mais enfin, une énorme, un énorme diamètre de coupe, si vous préférez. Enfin, diamètre. Ouah, et j'ai du mal à la diriger. Hein. Je suis vraiment nul. Hein. Oh là 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 là, les enfants. Je suis un peu bourré. Hein. Et petite question. Ce que je suis en train de rejeter, là. Qu'est-ce que je peux en faire? Du foin? Comme j'ai fait déjà, où là je peux endainer avec ça, avec la chute de ça. C'est comme le blé en fait, c'est, je peux faire que du foin et le revendre en fait. Je pense. Hein. De mémoire, mais je pense que c'est ça. Hein. Oh là 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 là. Parfait.
Allez, on va laisser faire Jean-Claude Lia. Parfait. Il en est où, lui? Il est en train de le faire, lui est en train de le faire, lui est en train de le faire. Et là, c'est parfait. Il faudrait que lui au moins termine. Mecton. Ah, me dis pas. Et j'en suis sûr à 40% que c'est ça. Voilà, on remettra autre chose, mais c'est ça qui me bloque mon... Pourquoi ? Regardez, il a pas fini. Mais il a fumé du Sgegos, lui, il a mangé des... Mais, et t'as mangé des Kellogg's, toi, aujourd'hui ? Mais t'as qu'à le faire tout seul, Pixel. Oui, mais le jeu me permet d'avoir une option pour être libre et pour pouvoir vous montrer tout plein de trucs. Même si vous connaissez le jeu. Mais il y a plein de trucs. Putain, mais c'est chelou, quoi. Regardez ce qu'il m'a laissé. Truc de dingue. Il va falloir que je prenne ceci. On recule. J'y vais en marche arrière. J'arrive. J'arrive. Il doit être full là. J'arrive, j'arrive. J'attelle. J'arrive, j'arrive. Bah. Attendez, je vais déplier. Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a tout qui bug en fait. Y a tout qui bug. Je suis maudit. Je suis maudit de fou. Maudit de fou. Ah ouais, non mais. Non mais. Non mais. Mais comment tu passes? Ah ouais. Elle fait les crop circles. D'accord. Oh punaise. Eh bien écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi elle m'a fait énormément plaisir. On va la laisser terminer. Et lors de la prochaine vidéo, j'irai vendre nos récoltes. Et en attendant, c'est pour ça que je termine là-dessus. En attendant, il faut que vous trouviez ce qu'on va faire planter ici, sachant que nous sommes là en octobre et que nous avons du blé, de l'orge. Les peuplions, on s'en fout. Et l'herbe, on s'en fout. On a ça, ou alors on a de l'herbe, parce que l'herbe, je vois qu'on peut la planter jusque-là. Et on a de l'herbe. Après l'hiver, bien entendu, ça pousse pas. Dites-le-moi en commentaire de vidéo. On verra ce qu'on fait. Peut-être qu'il faudra attendre, j'en sais rien. Bref, vous me le dites. Ou me disiez, je préfère. Vous me le disiez, voilà, en commentaire de vidéo. Pour l'heure, nous avons Gertrude et Jean-Eudien qui sont en train de faire ça. Nous avons amélioré tout ça, je suis super content. Bref, si vous adorez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à commenter. Bref, à vous abonner à tout si vous avez kiffé. Pour l'heure, j'attends vos retours, c'est très important. Ciao, ciao !